Bonjour. On va parler d'homme fort. Et l'homme fort dont je vais vous parler, c'est pas la force que vous croyez là. Beaucoup d'entre vous, vous êtes attachés et vous ne vous rendez pas compte. Vous avez accepté. On est entré dans votre maison, vous êtes attaché. On t'attache. Tu es là chaque année, tu dis, ah, c'est comme ça. Chaque fois que je vais avancer, c'est comme ça que ça fait. Bonjour, bonjour. Donc, je vais vous montrer. Comment identifier quelques petits trucs que les hommes forts de votre vie l'ont déjà fait? Bonjour Pamela. Je vous ai dit, s'il vous plaît, créez de faux profils pour me suivre. Parce que ce que j'enseigne ici là, vos oncles et vos tantes décepticons qui vous bloquent depuis des années, que vous savez que j'ai toujours su que ma tante si avait quelque chose à voir avec mon mariage qui s'était gâté en 2023. Elle est sur la page ici. Elle sait que tu me suis. Donc même commenter là, je ne peux pas commenter. Donc, je sais que je vais voir vos profils. La lumière du jour. Soleil de midi. Quand elle voit les profils comme ça, j'accepte seulement. Henriette Saourou, si tu regardes en haut de ce direct-ci, il y a le numéro des nouveaux représentants. Tu comprends, ma chérie? J'ai une nouvelle représentante à Paris. Toutes les villes, vous me regardez n'importe où. Si vous, première condition, utilisez d'abord mes produits. Parce que tu ne veux pas que tu vendes quelque chose à quelqu'un que toi-même tu n'utilises pas. Parce que ça va affaiblir ta parole. Première chose, tu dois. Ben, toi, Garoua. Bafoussam, je suis sur le point d'avoir quelqu'un à Bafoussam. Yaoundé, j'ai quelqu'un à Yaoundé, mais je veux quelqu'un qui est disponible à 24 sur 24. C'est-à-dire, tu as peut-être ton activité, mais tu peux faire la mienne parallèlement. Voilà. Il faut créer les faux profils. Quoi d'autre? Parce que les enseignements que je donne là, ça commence à devenir faux, faux. Il y a les choses qu'il ne faut pas que les gens là sachent que tu sais. Bonjour, lingot d'or. Voilà les noms que je veux. Lingot d'or. Alors que peut-être ton nom, c'est Camden Marguerite. Hein? Tu viens de mettre... C'est ça qu'elle veut. Devenez sage. Vous avez compris, non? Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour, Nefertiti. Bonjour, Janine. Oui, je suis très matinale. Ok. Je vais vous enseigner un peu sur les hommes forts du. Première chose, hein, votre bêtise, ou je dirais votre ignorance volontaire, ne sera pas une excuse dans le spirituel pour qu'on ne vous touche pas. C'est-à-dire, si tu connais que en versant le sel au sol, je peux être protégé. Tu dors, tu ne verses pas le sel. Écoute, c'est pas une raison pour laquelle on va pas venir te gifler. Le spirituel ne connaît pas que wow, c'est l'enfant de maman Mani. On va pas la toucher. C'est l'enfant de Gwento. Tu as menti. On va te toucher, tu vas lire l'heure. Naturellement d'abord, comme vous avez la loi de la pesanteur. Voilà, c'est ça. Sean Kate Kamer, c'est ça. Ferrari Anaïs. Je vais maintenant parler avec vous. Je vais lire les noms ici, là, je ne saurais même pas qui est qui.
Sam Robert, il y a encore quelqu'un en Guinée. C'est que tous les pays là, comme ça, là, vous-même aussi, vous me suivez de là, vous ne dites pas que vous voulez être représentant. Vous voulez quoi? Vous voulez que j'accouche, que là, 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 les enfants grandissent pour venir là-bas. Donc, dans le spirituel, on m'a pas dit non, elle, on ne va pas l'attaquer parce que voilà, c'est l'enfant de Tania. C'est quand même la grande soeur de la petite soeur du président de la République. On ne connaît pas ça ici. Tu fais bien, tu es protégé. Tu ne fais pas, tu es puni. Point barre. Et ta punition, c'est que tes choses ne marchent pas. Tu lis l'heure sur le calendrier, tu dis que mince, c'est quel calendrier comme ça? On te dit sur le calendrier de Bato Femme. Il ne faut pas seulement connaître. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous partez donner des conseils aux gens, ils réussissent. Parce que vous-même, vous ne faites pas. Vous ne suivez pas ce que vous dites aux gens. Ce qui fait ma force, c'est que ce que j'ai dit, par la grâce de Dieu. Après, Paul a dit que, il ne faut pas que je vous parle comme ça, après moi-même, je parle, ça me prend. I know if you talk like this, and I go like this. Non, non, non. I know if you talk and me, serve, you know, waka. Lorette continue à dire que rien ne marche. Non, ça ne va pas toujours marcher. Tu as compris, ma chérie? Que ta bouche continue de déclarer. Je m'accorde avec toi. Si c'est pour ta vie que tu dis oh, que tu dis que rien ne marche, vous savez que moi, je m'accorde sur ma vie, vous non. Ok. Bon. Il y a un passage là. Genèse. Avant que je lise Matthieu, je vais lire le livre de Matthieu ce matin. Juste un passage. Mais je vais prendre la Genèse. Là où Abel et Caïn étaient attaqués. Bon. Là où Caïn a attaqué son frère Abel. Bon, attendez, je cherche. Voilà, Genèse chapitre 4. Seigneur, je bénis ta parole et je bénis toute personne qui va écouter ceci. C'est la mine douce. Tu m'as vu dans le rêve. Je faisais quoi, mamie? Hé, maman, je faisais quoi? Mais c'est pas vrai que je suis belle ce matin. C'est vrai que je suis toujours belle, mais bon. Ma Saint-Valentin dit là. C'était la magie, le feu sort. Il y a les inspirations que j'ai le matin que si je dure avant de vous dire ça. Dans cette histoire, Caïn a donné son offrande à Dieu. Et je ne sais même pas comment les deux enfants l'ont fait pour savoir qu'il faut offrir quelque chose. Mais c'était instinctif. J'ai des animaux à la maison et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont incrustées dans les animaux, dans nous-mêmes. Instinctivement qu'on est fait. Donc les voilà. Ce sont les premiers enfants d'Adam et Ève. Et ils sont en train de donner des offrandes. Caïn donne sa part. Mais il est d'abord parti manger un peu d'abord avant de donner le reste à Dieu. Merci, merci gazonnier, porc sucré. Voilà les profils. Yes! Et Abel a donné sa part. Dieu a accepté pour Abel. Ça a énervé Caïn. Est-ce que vous savez que Caïn pouvait se rattraper? Merci, merci pour vos compliments. Je vais vous montrer comment Caïn pouvait se rattraper. Donc, c'est-à-dire que si jusqu'à aujourd'hui tu ne connaissais pas comment il faut faire un travail spirituel, même si tu commences aujourd'hui, et que waka, ça va commencer à marcher. Donc, Genèse 4. La différence est que Abel de son côté, donc Genèse 4, 4, ok? Verset 4. On va lire verset 3 d'abord. Au bout de quelques temps, Caïn fit, on dit au bout de quelques temps, on n'a pas dit le premier. C'est pour ça que quand tu
veux payer ta dîme. On vous dit toujours, c'est vrai que ça vous énerve. Quand tu veux payer ta dîme, c'est ton premier argent. Ne dis pas que, wow, j'ai des gens qui viennent payer la dîme de 1500. Je dis que ne t'inquiète pas, tu donnes 1500, un jour tu as 250 000 de dîmes. Un jour tu as 1,5 million de dîmes. Tu commences quelque part. Et Dieu est un Dieu de semences. Dieu aime la semence. Bonjour, hein, bonjour. Je sais que vous n'avez pas partagé mon direct. Tous ceux qui n'ont pas partagé mon direct, quand vous regardez là, vous n'allez pas tirer une information bénéfique de ce que je dis. Je vous le dis. Vous regardez le direct de quelqu'un, même liker, ça vous dépasse. Partager, ça vous dépasse. Le mouvement que vous amène où? Le spirituel, hein, venez doucement pas vous guetter, vous partez. Vous allez caler un jour, votre main va caler sur mon Facebook. Ok. La Bible dit qu'au bout d'un certain, de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. On n'a pas dit les premiers fruits. Donc, il a fait la première récolte, il a mangé. Le deuxième, il a mangé. Après, cinquième récolte, alors on peut donner quelque chose à Dieu. Verset 4 maintenant. Abel de son côté fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça veut dire que déjà les enfants d'Adam et Ève connaissaient qu'il fallait tuer les animaux et brûler. Quand on dit la graisse, ça veut dire qu'il a pris the fat. Il a pris la graisse. Il a pris la graisse, c'est ça qu'il a brûlé. Oui, quand tu pars, tu tues la poule là. Hein? On brûle. Quand ses plumes brûlent là comme ça là, les dieux aiment ça jusqu'à. C'est sucré dans leurs oreilles. Sucré, oreille, narine. Je ne connais pas si c'est sucré dans leurs narines ou bien dans leurs oreilles. Mais c'est que c'est sucré à eux. Voilà. Donc. Je continue. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous là, je vous force pour que vous partez faire les offrandes. Hein? Vous avez écouté l'enseignement que j'ai fait hier. Qui parmi vous est parti faire un sacrifice ou une offrande? Vous n'avez pas fait, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'attends l'argent. J'attends l'argent. Attends bien. Tu vas lire l'heure sur l'argent. Bon, voici la clé de ce que je voulais vous dire. Bonjour, 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 lumière du monde, bon, bonjour. Mais, verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Beaucoup d'entre vous, hein, votre vie ne marche pas. Parmi vous, vous avez des gens qui vous avez la tristesse chronique. Tu es toujours triste. On te regarde toujours ça là. Bonjour. Voilà la Saint-Valentin hier. C'est pour ça que tu n'as pas de Valentin. Quand elle se fâche, que wow, Dieu, tu n'as pas accepté mon offrande. Que wow, wow. Dieu dit que mais c'est comment non le Père? Moi, Dieu. Il dit dans Genèse 4, verset 6. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu viens déranger la reine lumière? Tu dis que, wow, sauve-moi. Que sauve-moi, wow. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es fâché? Pourquoi tu es triste? Il lui dit, verset 7, certainement si tu agis bien, écoute, Dieu ne fait pas la discrimination. Non, je vais accepter le sacrifice de la fille-ci. Je vais accepter pour celle-ci. Elle là. Regarde sa tête. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas.
Voici comment Dieu vous montre que vous pouvez être accepté et aimé. Il dit, verset 7, Genèse 4. Certainement, si tu agis bien, l'offrande que tu as donnée là, hein, que je n'ai pas acceptée, en fait, tu n'as même pas donné l'offrande. Hein. David a l'obéi, si tu as tes règles, tu ne te laves pas avec le sel. Bonjour Victoire, Victoire. Voilà le profil que je veux. Victoire, Victoire, Ferrari, Anaïs, lumière du monde. Ta tante de sept, tu quand tombes dans le direct, elle dit que c'est qui ça est? Que Yomawa, elle ne sait pas que c'est toi. Allez. Kevin Makogem, il faut changer ton nom sur Facebook. Créez-moi de deuxième profil. Je vous dis. Je parle depuis. Quand il parle, vous ne comprenez pas. Quand il parle, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Continuez. Tu peux mettre tout ton nom sur Facebook. Tata Gounoudoum, Tala Jean-Marie. On dit, ah, Tala Jean-Marie, suis la fille. Ok. Donc, je continue mon enseignement. Genèse 4, verset 7. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Voilà, Sinclair, l'autorité divine, bonjour. Ça, c'est la seule page où on approuve les faux profils. On fait check. Si toi, tu connais bien faire le spirituel, toutes les larmes que tu as depuis que tu as 20 ans là, tu ne trouves pas le mariage. Tu fais des choses en passe-temps. Tu ne vends même pas. Partout où tu passes, on te chasse tes mains. Les gens te promettent des choses après, on dit, ah. Vous allez me tuer avec les faux profils aujourd'hui. Aïe, Alenka. Dolcina Epps. Masete. Hey, Karabata Shanta. Je vais parler en langue sur vos noms ici. Noah, Noah. Bonjour, bonjour. Si jusqu'à présent tu souffrais, tu avais l'homme fort dans ta vie, comment est-ce que ça se manifeste maintenant? Attendez, vous dites. Mettez-moi les signes là-bas, hein. Les signes de vos vies. Ce qui ne marche pas dans vos vies, la mettez. Vous avez beaucoup d'entre vous, vous avez des hommes forts dans vos vies. Écrivez. Cinq hommes viennent faire le toqué porteur, ils fuient, une personne ne te doute. Tu te maries, tu fais 4 mois de mariage, ton mari part. Nadine Moko, c'est ton vrai nom, tu ne dois pas. Ne me suivez plus avec vos faux vrais noms. Ne me suivez plus avec vos vrais noms. Allez créer les faux profils pour me suivre. Bonjour, Berman Junior. Voilà. Tu as un faux profil, je te salue. C'est ça. Mettez-moi les problèmes que vous avez. L'amour martial, voilà. Tu achètes la marchandise. La personne chez qui tu achètes vend bien. La personne te dit que mon business de waka. Tu achètes, tu déposes au sol, tu ne vends pas. Depuis 6 mois que la marchandise, là, tu n'as pas vendu un article. Tous tes clients fuient. Voilà, Monique. Tous les hommes la fuient. Dites-moi les choses, pardon. Tu ne dors pas la nuit. C'est à 4 heures que tu trouves un peu le sommeil. Les bagarres dans la nuit. Oh. Dès que tu fermes les yeux comme ça, on te poursuit. Tu es belle. L'autre là, alors, c'est la pâte. Tu n'as même pas un dragueur. L'amour martial, c'est ta part de blocage là-bas. La reine mère, je t'appelle, tu ne réponds pas. C'est ta part de blocage là-bas. Ouais. Est-ce que vous savez que c'est pas n'importe qui arrive à me parler? Il y a les gens que
Tu n'appelles jamais, mais le jour où tu appelles, c'est là que c'est le téléphone à ma main. Promesse sans concrète. Anne, tu connais, je suis sûr que ta vie est bien bloquée parce que tu connais bien même. Ouais. Finance et mariage, quoi? Mettez, identifiez les blocages que vous avez. Arrêtez de dire finance et mariage, quoi? C'est quoi? Voilà, bille philo. Tu demandes le visa 10 fois, on refuse. Tu arrives au Maroc, on te bloque. Tu es bloqué au Maroc. Non-accomplissement. Tu commences, tu ne finis jamais. En 5 ans, tu as fait 15 business. Tu n'as jamais, tu n'as jamais concrétisé quelque chose. Marguerite Ambassa, c'est ton vrai nom, non? Va créer le faux profil maintenant. Parce que je vais vous amener dans une dimension bientôt là que vos oncles qui vous ont attaché, ils ne doivent pas savoir que vous savez ce que je vais vous enseigner. Gazonnière pauvre sucré. Tu vivais avec un ami, il t'a fait le mari de nuit. Les parents t'abandonnent. L'autre là, là. Écoutez. Écoutez. Vos clients sont censés vous poursuivre. Quand ils parlent, et quand ils parlent, ma chose dit toujours que, ah, est-ce que c'est même possible? Plein de dragons, aucun ne t'aide. Oh! En taboula, je suis sûr que ta vie est bloquée jusqu'à. Ma chérie, t'as pas l'air. Voilà, tout ce que tu essayes, tu abandonnes au bout d'un mois. Voilà, aucun homme ne t'a jamais demandé un mariage. Tes papiers sont bloqués. Tu fais le mauvais rêve où les gens sacrifient le mouton. Toi-même, tu es parti faire quoi? Parce que ce qui m'énerve sur vous, vous ne faites rien. Vous aussi, c'est un simpleton comme ça. Oui, ton mari ne trouve pas le travail, c'est ça. Voilà les blocages. Elvige Moyo, tu ne peux pas écrire parce que tu as un vrai profil. Je t'ai dit de faire le faux profil. Vous ne faites pas les faux profils. Vous ne pouvez pas parler. On promet l'argent, on ne te donne pas. Voilà, tu commences une relation après rien. L'homme doit venir t'épouser en 3 semaines. Je vais commencer à célébrer le genre de mariage là. Pour qu'elle devienne mère, pour qu'elle devienne mère à Douala. Après le Danemark, il devient le premier, le deuxième pays ou le deuxième comté. Je vais créer ma part. Où tu viens, tu te maries le même jour. L'homme te voit, on se dit que ma chérie, I want to marry you. L'autre, tu touches l'argent. Tu achètes la marchandise de 10 millions. Tu vends. La marchandise est finie, mais tu ne vois pas l'argent de ça. Voilà. Tant que tu ne te rends pas compte que je suis bloqué, que dis. Regardez. 10 ans. 5 ans, je suis bloqué en Turquie. Je suis en Libye, je suis au Maroc depuis là. Non, 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 non. Il y a quelqu'un quelque chose quelque part. Il y a quelqu'un quelque chose quelque part. Voilà, ton mari fuit la maison. Warren, bonjour. Quand tu as déjà identifié un problème majeur. Ça, c'est un homme fort qui est entré dans ta vie. Écoutez-moi bien. C'est quelqu'un qui parle ma chose. Celui qui m'écoute va profiter. Voilà, lumière du monde. Tu vois, tu es à l'aise. Tu peux maintenant commenter mes vidéos sans souci. Tu peux maintenant commenter sans souci. Matthieu 12, verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors, seulement
il pillera sa maison. Écoutez, écoutez-moi bien. Première étape, je veux qu'on donne les problèmes pour que tu te rendes compte que, yé, si tu quittes, même si tu marches à pied pour aller en bain, tu es censé arriver en bain. Parce que la Bible dit que tout ce que tu fais doit marcher. Tout territoire que tu touches, tu dois prendre la possession. Quand vous arrivez dans les terres, là, prenez l'eau. Tu verses au sol. Tu mets tes pieds dans l'eau que tu viens de verser. D'ailleurs, ouais, cherche la terre même. Tu déposes tes pieds dans l'eau là. Tu dis que je suis l'enfant de Dieu. La Bible a dit que tout ta territoire que je mets mes pieds, je prends en possession. Comme je suis dans le pays, tu appelles le nom du pays. Je prends autorité sur tout esprit qui domine dans ce territoire. Parce que la Bible a dit que j'ai autorité sur vous. Je prends en possession. Je déclare que j'ai la faveur avec les habitants de ce pays. Et surtout, quand vous arrivez dans un pays, et aussi parmi vous, vous ne faites pas d'offrande au Dieu de ce pays. Partez à l'eau, si c'est là, à moins que ce soit le désert. Tu pars à l'eau. Tu pars là-bas avec les biscuits, les bonbons. Tout eau, pour vous que ce soit dans le pays là. Tu prends les biscuits, tu prends les bonbons. Si tu as moyen, tu ne peux pas mettre le tarot, tu pars avec. Avec le vin rouge, un bon vin rouge. Tu pars, tu t'assois. Tu parles. Et écoutez, même si quelqu'un s'est mis dans n'importe quel pays, en Azerbaïdjan, il vous a bloqué au Maroc. Quelqu'un s'est mis à Toba, il t'a bloqué là-bas. En parlant, tu dis que je parle, je donne ceci comme ça là à mes ancêtres d'abord. Parce que partout où tu es, tu peux activer la puissance de tes ancêtres. Tu détaches, tu prends le tarot là, tu mélanges, tu donnes, tu verses dans l'eau. Tu dis, excuse-toi d'abord parce que tu es venu, tu les as ignorés. Vraiment, je m'excuse. Et ça arrivé ici, là, j'ai fait comme une blanche. Bon, même les blancs, eux-mêmes, ils ne font pas des choses comme ça. Le blanc, ils font leurs choses. Ils ont les choses spirituelles qu'ils font. J'ai fait comme une fille qui est idiote, je m'excuse. Je viens maintenant comme ça, je vous donne la nourriture ici. Même si ce n'est pas votre nourriture traditionnelle, mangez quand même. Mangez avec mes ancêtres du village. Prenez-vous manger. Je prends le vin rouge. Je dis que quand on mange, on boit. Je vous apporte.